Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Elite Dangerous. Et donc cette fois-ci nous retournons donc dans la zone de conflit faible intensité dans laquelle nous avions été dans le dernier épisode directement en entrée de jeu, comme ça on va donner un petit peu d'action et de peps à cette série qui est un petit peu en perte entre les défaites, enfin les... Oui, les défaites cuisantes qu'on s'est bouffé avec le comment, le Viper. Et les débuts difficiles avec ce Vulture, bah écoutez, moi je suis partisan de... De bourrer un peu le chou à quelques faiblards. Avant d'entamer donc des grosses modifications et de prendre en galon, j'ai envie de dire. Hop. Alors pourquoi je ne suis pas... D'accord, je ne suis pas verrouillé dessus. Hop. Parfait, je suis en train de chercher son générateur. Ok. Ok, j'ai pris extrêmement cher. J'ai pris extrêmement cher. La gueule. Il y aurait bien eu un python dans le coin. Ça ne m'étonnerait pas. Tiens, non, mieux un anaconda, mais bien sûr. J'essaie de me rapprocher de mon pote, le python. Ah, mes propulsions en prennent plein dans la gueule. Bim. On va lâcher l'armement, on va tout mettre dans les systèmes. Ah, c'est violent ce que je prends là. Bon, les zones de conflit, je pense que c'est mort. On va arrêter cette merde. Oh, putain. Allez, on va se barrer de là, mais genre se barrer loin. Blido Pirou, tiens, voilà, on va aller là. Ouais, ouais, c'est bien. On prend beaucoup trop de dégâts. Donc les zones de conflit, c'est mort. Les crime sweeps, c'est mort. C'est génial. Putain, fait chier, je me suis trompé de bouton comme un con. Faut vraiment qu'on puisse se faire de l'argent rapidement et améliorer ce vaisseau parce que c'est vrai qu'à l'état. Alors, certains m'ont dit que le Clipper impérial était mieux. Je commence à me poser des questions. Je n'ai pas encore de quoi l'avoir, mais. Mais je vais faire le. Comment le. Le comparatif, hein. Il paraît qu'il coûte beaucoup plus. Non, il coûte un peu moins cher, il me semble. Si je me trompe pas. Écoutez, quitte à faire un choix. Canary Enterprise, tiens, ça s'appelle, c'est un bon nom ça encore. 273 SL, c'est un peu loin. Bon, ah, tant pis, on va aller voir ce qu'ils ont à vendre. Et je pense que je vais finir par aller revendre mon Eagle aussi. Eh oui. Bon, vous me direz, il vaut pas grand chose par rapport au reste. Alors, quand j'aurai les lives, il est possible
que je fasse un épisode donc de comme à quelques épisodes avec le comment le fameux Cobra MK3 et que en live avec des gens qui pourraient m'aider à me faire de l'argent comme ça, je me ferais de l'argent en faisant du marchand. En faisant le marchand et en déplaçant en fait, en faisant des gros sauts et en me faisant un petit peu d'argent via le commerce en fait tout simplement. La vitesse commence-t-elle à descendre? Oui. Il était temps. Mais non, ça va passer. Oh, ça va passer de justesse. Oh, dis donc, c'est passé de justesse. Je vois l'entrée. Enfin, je crois. Hop, en espérant qu'ils font les réparations, mais normalement, de ce côté-là, j'ai pas trop à m'en faire. Merci. Non. Non. Bla 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 bla. J'ai été mauvais, je reconnais. Je veux aller trop vite. C'est un peu à cause de vous, chers amis, en plus. Oh, bande de vilains. C'est de votre faute. Appelez. Entrez dans le hangar, service de spatioport. On va aller voir en passage l'équipement qu'ils ont. Alors on m'a conseillé le military, enfin le comment le comment le blindage militaire. J'ai pas trop compris ce que c'était. J'ai pas encore touché au blindage en fait, quel que soit mon vaisseau. Ce qui veut parfois en gêner certains d'ailleurs. Et donc je serais curieux de savoir ce que c'est que ce fameux blindage militaire. Hop, alliage, pas comme ça c'est clair, il n'y en a pas. Générateur, alors, classe décroissante. C'est du 4 qu'il me faut moi, non? Bah oui, bah merde. 5C, il coûte cher. Réacteur FSD. C'est plus que ça qu'il me faut moi. Répartiteur de puissance. Ah, ils ont le niveau A. Ah là là. J'ai pas ce qu'il faut. Si je veux le vendre. Ça fait 1200. Et je vends le mien 79 000, mais ça vaut pas le coup de le vendre le mien. J'aurais peut-être dû. Générateur de bouclier E5, apparemment il n'y a pas mieux. Enfin si, il y a mieux, mais j'ai pas assez. 5C. Si, c'est mieux ça. Ça consomme un peu plus par contre. Ça aussi, ce sera amélioré, il va me falloir beaucoup beaucoup de sous en fait. Je suis loin d'avoir ce qu'il faut. Bon, et il y a une grosse quantité de trucs à acheter là. Hop. Au niveau de l'armement. Consommation est bien plus grande. Niveau des points d'emport, des tétras de vie de recherche, ça m'intéresse pas pour l'instant.
Merci de passer dans ma rue. Je sais pas, 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 pas. Qu'est-ce que vous avez dans le coin? Ah, attendez, système non contrôlé. Peut-être qu'il y aura des choses à faire, je sais pas, je sais pas, je sais pas. On recherche des coursiers. Un petit à côté. Nanana, tu es des. Cargaison volée des céréales. Ah non, 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 ça m'intéresse pas. Je ne vole pas les céréales des gens, moi, monsieur. Benyena. Ça, c'est un beau nom. Ah oui, c'est vrai, je suis con. Je suis con. Ah bah, ben, on va aller à Benyena. C'est parti! Allons-y. Ne grattons pas la peinture. Benyena, c'est un joli nom. C'est donc là qu'on va. Attention. Voilà, parfait. Ce bruit d'avion, c'est génial. Hop. C'est parti. 2, 1, engage. Qu'est-ce qu'il y a dans ce niveau? Aucune donnée, aucune donnée. Ah oui, Benyena, on y est déjà allé. Putain, fais chier. Il y a qu'à. C'est parti. Normalement. Allez, c'est parfait, on y est. Et ben, y a pas grand-chose non plus, hein. Yujira. Hop, on est parti. Donc moi j'attends toujours des nouvelles, chers amis, via la Gamescom de Mad Max et de Fallout 4, hein. Voire même de Battlefront. Je sais pas s'ils vont en parler. Je crois que j'ai entendu quelque chose comme quoi ils allaient pas en parler de trop. Ou il y a dû y avoir un truc. Ou il y aura un truc. Bah écoutez, on va aller dans HIP de 20636. Hop! C'est comme ça qu'on cherche, hein, de toute façon. On se balade. J'aurais dû faire les différentes recherches. J'aurais peut-être eu des trucs à vendre. Mais enfin bon, c'est comme ça. Alors, où sommes-nous? Allez.
Alors, voyons voir, source de signal forte. Belalands. Oh. On se calme. Les modules en ont pris un coup. Ah oui. Mes réacteurs en ont pris un coup. Bande de na. Ah mais oui, c'est parce que j'avais mis l'accélération, mais en fait je l'avais mis sur le niveau du propulseur, mais en fait j'ai dû couper les moteurs à ce moment-là. Ce qui est à moitié con en fait. Hop les, allez on repart. Belalands là. On verra bien. We will see. Toujours pas de nouvelles aussi d'ailleurs de Starbound sur Xbox il me semble. Pas sur console en tout cas. Il y avait eu une intention de le mettre sur console il me semble. Pas de nouvelles. Ah bah si. Xbox One, this winter. Bon bah écoutez. Oh bah tiens. Allez, on retente notre chance. On retente notre chance, on n'est pas loin. One player shoot again, comme dirait l'autre. Donc oui, sur Windows 10 et... Donc eh ben écoutez, je suis prêt à parier qu'on va avoir beaucoup moins de mises à jour sur Starbound, c'est génial. Apparemment ça va pas les distraire du développement sur PC. Faut dire qu'ils sont déjà assez distraits. Enfin bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mes chers amis? C'est une déception pour moi. Et oui, c'est clairement une déception, c'est bien ce que je dis. C'est devant ou derrière? Apparemment, c'est devant. C'est parti. Alors, j'ai déjà des verres avec moi. Apparemment, ce sont les mêmes. Bon, bah écoutez. Tant mieux. Commençons par lui qui est un peu isolé. Coursier impérial. Hop, on va remettre en armement. Hop. Non, non. Parfait. 16 000. C'est un début. Anaconda. Apparemment, je suis pas tout seul dessus. Ça pourrait être sympa. Surtout quand on sait ce que ça rapporte. Ah, je crois qu'il a pété un des nôtres. Ça fait bien, ça fait bizarre de le voir de si près.
Allez, ça se passe plutôt bien. Je suis en train de le minder. Et on l'a eu. Génial. L'argent! Bon, j'ai pas eu d'argent dessus. Voilà, il y a que du vert par là, c'est cool. Coursier impérial, pourquoi pas. Non, tu ne t'en iras pas. Hop. Voilà, ça se passe plutôt bien. Coup de boost, ça fait du bien. Non, il s'en va. Il s'en va, il s'en va. Les deux autres. Un ASP. Hop, il a des canons électriques quand même, le salaud. Hein. Hop. Allez. Lâche l'affaire. C'est fini. Allez. Bien joué pour les paillettes, ça me permet de recharger un petit coup, c'est génial. Allez. Paye. Je vois, c'est limite si je vois pas le pilote. Hop. 28 000 de plus. Je vais aider mon pote qui est en difficulté. Enfin, si je le peux. J'arrive. J'arrive, mon pote. T'inquiète pas, ma poule. Je vais te sauver les miches. Mince. Allez, monte ta bouille. Ah pétain. Hop. Lâche l'affaire, te dis-je. Parfait. Il y en a un qui m'attaque là.
Hey l'ami, tu aimes ça manger de laser? Hop. Bim dans tes dents. On gère le conflit, chers amis, on gère le conflit. Bim. Ah, il est plus maniable que l'anaconda quand même. Il a un moins bon bouclier. Ça, c'est The Nouvelle. Je vais pas l'avoir, faut que j'attende qu'il ait fini ses putains de fusées. Allez. On a 50% de son commande, son générateur, on est bon là, chers amis. On est excellent même, je dirais. Qu'est-ce qu'il est superbe ce vaisseau. Qu'est-ce qu'il est magnifique. Qu'est-ce qu'il est superbement beau. Redondance de super. Qu'est-ce que j'ai comme argent? 326 000. Ça va, c'est potable. Qu'est-ce que j'ai plus près? Gueule qui se fait défoncer. Cobra MK3. Cela sonnera-t-il le glas de l'épisode? Où est-ce qu'il est? Où es-tu? Te voilà. De toute façon, il va falloir que j'aille mettre vos épisodes en ligne, chers amis. Bim! Ça c'est fait. Encore de l'argent. Ça prie. Alors, Cobra MK3, ça ne m'intéresse pas. Le sort de l'Empire, ça rapporte pas non plus. Bon, on va aller à Loudoc, chers amis. Mais non, c'est bon. Non, ça va, ça baigne, je te jure. Ah! Non, ça ne baigne pas. J'ai vu quelque chose qui me plaît. Je veux quelque chose. Je veux que ça meure. Allez. Je rêve, il a envoyé un dissipateur thermique. J'ai cru voir un truc bleu sortir de son truc en fait. Sortir de son vaisseau. Bim. Tu le sens, mon gros coup de laser? Droit dans ton générateur, si tu vois ce que je veux dire. Parce que oui, je ne sous-entends pas que je suis en train de taper dans ton générateur. Je sous-entends autre chose de beaucoup plus sexuel. Bim! Youhou!
Eh ouais. C'est Dédé. C'est moi. Oh, tout est l'ami. Là. Oui, vas-y, montre-le-moi bien. Oui. Non, il me l'a pas montré. En tout cas, je l'ai raté. Là, je touche, là. Là, je l'ai eu. Là, le générateur, il pète, là. Allez, merci. Bon, est-ce qu'au niveau des cibles, il y en a... J'ai pas arrivé à m'en tirer de cet épisode. Je me fais plaisir, chers amis. On était déjà en supériorité numérique. J'ai vraiment pas envie de me barrer tout de suite. Ça me fait de l'argent. Pourtant, cet épisode est quand même extrêmement long. Bah oui, je me doute bien, je suis tellement bon. Voilà le nôtre, je crois. Ça, c'était le nôtre, en fait, de Python. Oh, vivement que j'ai le mien. Ah, mes boucliers commencent à prendre. Un peu cher. Voilà, on va dire un peu cher, on s'arrêtera à un peu cher. Parce que dans un peu cher, il y a peu cher. Non, t'es sérieux? Il y en a un deuxième ou c'est un anaconda? Hop là, je suis bien plus agile que toi, mon pauvre. Bim! Ah, il y en a un deuxième! Ouh, puis il est déjà bien amoché en plus. Hop là. Ça c'est fait. En plein dedans. Là, j'ai eu une série de tirs en plein dans le générateur. Là encore, d'ailleurs. Oh, mais s'il me donne toujours des chances comme ça, le pauvre. Voilà, ça c'est fait. Et de l'argent en plus. Allez. Voilà. Voilà, on peut se rendre à Loudoc. Hop là. Et on va aller encaisser ça, chers amis, avant de mettre fin à l'épisode. Bah alors, il n'y a plus le moindre bruit d'un coup. Allez. Ah oui, bah je suis à fond. Ah, c'est parce que je mixe entre le bouton et le thruster du comment du Otas et du coup bah j'ai l'impression que le jeu a du mal à percuter en fait. Ok, allons-y. De toute façon, on y est presque. Pratique cette petite zone. Sympa ça. C'est très 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 sympa, surtout pour s'être fait un demi-million en 20 minutes, une demi-heure. C'est pratique. C'est pratique. Plus de l'amitié chez nos chers amis les l'Empire, je principe. Je présume, pardon. En principe. Merci. Hop.
Allons-y. On marquerait qu'on est juste en dessous de la vitesse de speeding. Donc d'excès de vitesse. Plateforme 34, elle est pas genre au bord celle-là. What? Non, elle est au fond. Elle est au fond. Allons-y en douceur. J'ai pas compris dans quelle langue elle parlait. Parfait. Entrons dans l'hangar, service de spatioport. C'est parti, contact. Récompense. Catching. Ça fait du bien par où ça passe. Non, rien du tout. D'accord. Préparation. Faire le plein. Le plein m'a coûté assez cher. On va aller voir ce qu'ils ont comme équipement à Ludoc. Et ensuite, on va se laisser. Je vais aller mettre vos épisodes en ligne, sinon ça va encore gueuler. Hein? Générateur, c'est 4, si je mets classe décroissante, c'est celui que j'ai déjà, vous avez pas mieux, ok, pourquoi pas. Découverte simple, est-ce que je peux... Surface détaillée, avancée 1,5 million, est-ce que ça vaut le coup? Oui, ça vaut sûrement le coup. Mais à 1,5 million, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter 1,5 million? Je sais qu'ils l'ont, de base. Blah, je craque pour ça. Attention, attention, gros craquage, gros craquage psychologique, chers amis. Et bim! Voilà, craquage psychologique. Je sais pas si ça va me rapporter quelque que ce soit. Attendez, on va aller voir déjà là. 6000. Bah voilà, c'est déjà ça le prix. Je suis sûr que bout par bout, on va réussir à mettre des choses sympathiques. Bon bah écoutez les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce, vérifier, la commenter, la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom. Donc vous retrouvez le lien dans le descriptif de l'épisode, dans la bannière de la chaîne aussi, pardon. Donc encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures, salut les gens, et yop.